Hello, bienvenue sur la chaîne GN Créa. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto de carte des mers avec que du matériel de chez Action. Donc, les derniers dies, un dice tag, une découpe des derniers dies tag. Je vais vous faire voir le matériel qu'il faut de toute façon. Et juste mon encre qui est autre chose. Voilà, mais c'est tout. Donc. Pour cela, il vous faut la twin rose. On va enlever ce truc violet là, de toute façon ça part tout seul. Voilà, de la twin rose. Une base de cartes rose 13-13 de chez Action. Rose comme ça. Vous pouvez prendre une autre couleur, hein, ça dépend de votre... Alors, une découpe. Alors là, je vais essayer de vous la faire voir là-dessus parce que sinon on va pas la voir. Une découpe du mot love. Voilà. Une découpe du mot love. Je vais la mettre là. Notre carte, du coup, notre base de cartes. Notre tag que j'ai fait en avance pour vous éviter le bruit. Et aussi pour vous dire que c'est compliqué, quoi. Du papier. Alors ça, c'est des papiers du petit bloc. Attendez, je vous fais voir. Donc... du petit bloc pink design pad que j'avais et j'ai pris des petits cœurs, voilà, de ce bloc là. Vous voyez, c'est que du matériel de chez Action. Pour tamponner, qu'on va tamponner un des nouveaux tampons, ça aussi je vais vous faire voir après, j'ai pris ce papier aquamarker dans les tons beige. Voilà, donc ça donc du coup ça un autre papier que j'ai utilisé pour prendre une découpe, mais ça vient de chez Action aussi, c'est dans les blocs, je vais vous faire voir. Donc oui, les bases de cartes, c'est ça. Voilà, le tag, j'ai utilisé ce tag-ci là, le grand comme ça, voilà, de cette planche là. Ah oui, vous voyez pas, tag de cette planche là, base de cartes ici, tag de cette planche là. C'est tout. Bon, donc c'est la planche numéro 4. Vous savez, on voit derrière là. 4. Voilà. J'ai oublié de rallumer la grande lumière. Je vais le faire. Là, j'ai pris juste le mot love. Donc c'est la planche numéro 8. Ouais, juste le numéro love. Je vais allumer la grande lumière parce que vous n'allez pas bien voir. Là, on va prendre juste ce petit tamponnage là. On va faire ce petit tamponnage là avec le pot, les feuilles et l'orchidée. Voilà, pour une fête des mamans, je trouve que c'était mignon. Voilà, donc les bases que je vous ai fait voir là pour mettre le mot love, j'ai utilisé ce rose là, c'était les trucs comme ça de chez Action. Voilà, des aquamarqueurs de chez Action. Donc là, les couleurs, je vous les dirai au fur et à mesure. De la All Purpose Glue. Du petit truc comme ça. Donc ça, je sais pas, on verra. Un bloc acrylique. Mais ça, vous en avez de Action aussi. Il y en avait eu un moment de temps. De la Versafine. Je pense qu'on va ancrer la carte avec la fleur. Donc la nouvelle de chez Action. Donc je pense qu'on va prendre celui-ci ou celui-ci. Je sais pas encore. Une des deux. On a du masking tape s'il le faut. Des aqua marqueurs là, de chez Action. Là, des aqua... Qu'est-ce que j'en ai fait d'ailleurs? Qu'est-ce que j'en ai fait du truc? Là. Non, celui-là, c'est celui-là qui est cassé. Qu'est-ce que je viens d'en faire? Ah là. Donc des aqua brush. Voilà. Qui viennent de chez Action aussi. Des aqua marqueurs du coup. Après, on va voir. Et un bloc acrylique. Bloc acrylique comme ça, vous voyez là, maman. Voilà, donc on va commencer par allumer la lumière pour que vous voyez mieux. Déjà, ce sera déjà mieux parce que il fait sombre en ce moment. J'ai beau mettre la lumière à fond, est-ce que je suis à fond là?
je suis à fond, je peux pas être plus. Donc voilà. Donc on va commencer par faire le tamponnage et après on ancrera la carte et tout. Mais d'abord on va faire le tamponnage. Donc pour ceci, vous prenez la versa fine, pas de feuille. Je suis dans le champ. Oui. La versa fine. Ce qui est un peu cracra. Ceci, notre bloc. Le tampon. Qu'est-ce que je viens d'en faire? Il est là. Donc le tampon, moi j'ai choisi les orchidées parce que bah, je trouve que c'est une jolie plante. Donc pour fête des mères, je crois que ça peut faire joli. Donc voilà. Vous aurez compris pourquoi je fais d'abord sur un papier. Comment on dit? Papier. Papier comme ça là. Ça, c'est les nouvelles planches de tampons qui sont à 84 centimes à chacune. Donc voilà. Je pense que je ferai d'autres trucs avec le citronnier parce que je trouve que le citronnier est super beau. Donc voilà. Donc là, on est avec notre planche. Hop. On prend notre versa fine. Est-ce qu'on voit ce que je fais? Oui, en fait, je tamponne. Hein. Hop, j'applique mon tampon. Voilà. C'est parfait partout. C'est parfait partout. C'est parfait partout. Voilà. Versa fine, c'est une bonne encre. Je vous ferai peut-être une revue sur les encres. Parce qu'on m'a déjà demandé la différence entre les distress oxydés. Donc là, je ne sais pas si vous voyez. Non. Je vais peut-être me mettre là, par là. Vous verrez peut-être mieux. Voilà. Donc là, on la tamponne. Voilà. Bon, là, c'est un tampon simple. Hein. Voilà. Vous voyez? Hop! Voilà mon tampon. Juste une petite pétale, mais ça, c'est pas très bien grave. C'est pas très bien grave. Oui, bon. Bref, du coup, ça, on la met de côté. J'aime bien cet effet un peu, voilà. Donc là, on va partir sur nos aquacouleurs. Donc je vais prendre un vert un peu funchy, je pense. Je vais essayer les deux verts. Et il y a un vert qui sera mieux que l'autre. Donc je vais essayer les deux verts. Ah, il y a celui-là qui est pas mal aussi. Mais je pense que l'orchidée sera plus vert apple. Non, peut-être plus celui-là. Je sais pas du tout. Qu'est-ce que ça va nous donner, ça? Si on fait ça un petit peu avec de l'eau. Bon, de toute façon, on peut essayer sur la truc. C'est pas mal, ce vert. Et l'autre vert. L'autre vert va être clairement trop foncé. Le vert clair va aller mieux, je pense. Ouais. Alors attendez, que je nettoie. J'ai pris du sopalin. Aussi, il vous faudra une feuille de sopalin pour nettoyer comme moi les bêtises. Vous voyez, là je l'ai fait là parce que je sais que voilà. Donc là, je prends. En fait, la versa fine, vous allez voir, ça bouge pas avec l'eau. Donc voilà, pourquoi j'ai pris de la versa fine. Voilà, on peut passer, regardez, hop, ça ne bouge pas. Donc là, j'ai pris un diamètre assez grand, je ne sais plus. L'autre, je sais qu'il est petit, mais celui-là, je ne sais plus. Il faut faire attention, hein. Et hop. Voilà, je fais de l'aquarelle. Je trouvais que ça, l'aquamarqueur sur ce papier-là, je pense que ça peut être pas mal. Puis comme ça, ça me fait tester aussi le nouveau papier là de chez Action. Bon là, je n'utilise pas pour grand-chose, hein. Je ne vais pas faire grand-chose avec, mais pour l'instant, ça me va.
Pour l'instant, ça me va. Mais pourquoi il veut pas aller? Il veut pas couler. Ah ben. C'est pas celui-là qui fuit d'ailleurs. J'espère que c'est pas lui. Hop. Voilà. C'est juste pour. Voyez, ça ne passe pas. Ça ne change pas notre encre. Ça met toujours notre noir profond, la versa fine, et c'est ça que j'aime bien. Je trouve que c'est super joli. Hein. Après, je sais pas du tout quelle couleur on va faire pour la... Je sais même plus où c'était mon dos. Hop. Ah merde. Pardon. C'est cool ça. Ah le pot, j'ai pas décidé quelle couleur on allait faire. Bon bref. Donc ça c'est pour celui-ci. Tac, c'est fait. Maintenant on va prendre dans les... Je pense qu'on va prendre le fuchsia, mais je pense que ça va faire un peu foncé le fuchsia. Ou un rose pink. Ou un cosmos. On va essayer le cosmos. On va voir qu'est-ce que ça peut donner. Un cosmos, je pense que ça pourrait aller. Plus que le fuchsia, parce que le fuchsia vraiment va être trop foncé. Le cosmos va aller, je pense. Je vais essayer hein, plus loin. Pourquoi ça se corche plus d'eau ça? J'ai encore oublié d'enlever quelque chose? Bien possible. D'accord. On est déjà 13 minutes. Faut peut-être que je me dépêche un peu. Bon, ça va que c'est le cas de la préparation. Je sais pas pourquoi ça se gorge plus d'eau. C'est bon, ça c'est gorgé d'eau. Hop! Je pense que ça peut être pas mal cette couleur, fais voir. Ah oui. Pour faire les orchidées, hop. Un petit peu de rose un peu clair comme ça. Je sais pas si vous voyez. Grand chose, mais en fait je fais de la colorisation donc je vais essayer de me dépêcher. Voilà.
faire d'autres couleurs, je pense. Bon, je pense qu'on va on va rester sur cette couleur là, c'est très pastel. Là, elle est un peu plus appuyée parce que voilà. Elle a... Et ouais, je pense qu'on va rester sur ces couleurs un peu pastel comme ça. Je trouve ça trop mignon. Des orchidées comme ça, c'est mignon. Ça paye pas de mine, hein, c'est pas la carte. Mais j'aime bien. Je pense que ma maman aurait aimé. Parce que je vais pas la voir pour la fête des mères. Je la verrai plus tard, mais je pense qu'elle aurait aimé. Qui sont beaucoup plus foncés. Faut que je rajoute de l'eau. Pas trop non plus. Elle est bien cette plaque quand même. Je vais me la garder pour chez ma mère, je pense. Hop. J'ai un peu trop d'eau. L'aquarelle, c'est ça le problème. C'est qu'il faut savoir doser. Ça, c'est pas facile. Doser en aquarelle, c'est très compliqué l'aquarelle. Je vous dis, il faut savoir doser. C'est-à-dire que quand ça va pas, il n'y a pas le choix, faut que ça aille. Faut pas mettre trop d'eau. Est-ce que j'ai un orangé? Oui, je vais le chercher là-bas. Je vais aller chercher là-bas, j'ai pas fait gaffe à pas prendre de rangée. Hop. Voilà. Je vais prendre un petit orangé. J'arrive. Et un petit marron pour le pot. Alors, attention. Un petit orangé. Pouf. Un yellow comme ça, là. Marigold. Petit marron grain. C'est pas mal. Voilà. Ah oui, je suis habillée en habit dimanche. Un peu. Pas trop habillée. Alors, pour nettoyer notre pinceau. Le chat qui réclame à manger, bien sûr. Pinceau. Du coup là on est bon. On va faire le pot plus la terre un peu plus foncée, mais on mettra moins d'eau. Voilà, là on met pas trop d'eau. On fait la terre. Et là, on met plus d'eau. Voilà. Et on va faire le pot. Hop. Un petit peu avec de l'eau. Comme ça, dans les couleurs très pastel. Pour le pot, ça va être parfait. Je suis désolée si le chat marche. Mais bon. Il a faim.
combien là? Parce qu'il va peut-être falloir que je me dépêche. 20 minutes, ouais. Je vais me dépêcher. Bah là, il ne reste plus qu'à faire le orange. À la colorisation, ça prend un peu de temps aussi. Hein, faut dire ce qui est. Je vais en ranger, ouais. Parce que ça, ça peut aller. Hop. Voilà. Tac. Le chat est en train de manger le plastique. Iloa, tu sors. Voilà. Ah oui, et puis j'ai pas remis du verre pour la tige. Verre pour la tige. Voilà. Bon bah ça au moins c'est fait. Alors, on va passer vite fait un coup là-dessus. Ouh, passer au moins un truc. Là c'est juste pour passer un coup. Hein. Je renettoierai mieux ma plaque. Il faut nettoyer sa plaque, hein, bien sûr. Là pour l'instant, je passe juste un coup comme ça. Donc là, je vais pouvoir refermer le truc. Je retrouve le bouchon, il est là. Je vais couper ma twin. Je vais prendre mon ciseau. J'aurais voulu un plus petit, mais je sais pas où ils sont passés. Les tout petits ciseaux, où ils sont passés? Je sais pas. Donc là, je vais détourer. Assez proche quand même, mais pas trop proche non plus. Je vais détourer mon tamponnage. À 23 minutes, je vais peut-être falloir que je me dépêche. Je détourne mon tour. Tamponnage du coup un petit peu. Allez, hop. Déjà ça. Je garde l'autre. Pour l'instant, le papier de chez Action est pas mal. Hein, là, ce que j'en vois. Franchement, j'ai rien à leur dire. Pour l'instant, c'est pas mal. Pas très pas mal du tout même. Hop. Donc ça, ça prend du temps. Hein. Détourer. Ça, voilà. Ça prend du temps. Mais si je voulais vous faire voir une carte qu'avec du matériel de chez Action. Donc. Et ça prend du temps tout ça quoi. La colorisation, c'est très important la colorisation en aquarelle, donc ça prend du temps. Là, ça sera moins lourd. Voilà, hop. On détourne hein, en gros. Hein. On va pas non plus. Voilà. Là. On s'approche. De ça, hop. Là. On se rapproche. Tac. Tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Oh, mais c'est pas le... Les petits ciseaux de chez Action, mais je sais pas où je les ai mis. Alors. Voilà.
là, je détoie. Voilà, hop, hop, hop. Et là, on va détourer un peu mieux cette partie-là. Hop, hop. Pour que ça soit mieux détouré, quoi. C'est pas facile. J'arrive pas à la tenir. Voilà, là c'est bien détouré. Ça va pouvoir aller sur mon tag. Voilà, le tag qui est comme ça. Donc là, du coup, donc ça, vous voyez, hop, ça nous va nous faire. Il faut bien qu'on regarde aussi que c'est. Hop. Ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Le mot love. Et la twin. Et on va ancrer notre carte ou pas? Je sais pas si on ancre. Mais peut-être le tag, ouais, par contre. On va ancrer le tag. Donc là, tout ça c'est de la merde. Désolée. Dire ce qui est. On va couper ça. Voilà. Prendre ça. On va mettre ça dans le trou. Moi, le truc brillant. On veut pas en fait. Juste la twin. Voilà, ça c'est trop dangereux en plus pour mes animaux, donc il n'y a pas besoin. Ça c'est plus mignon. Voilà. Donc voilà, donc là on va coller déjà. Non, c'est peut-être l'autre. Hop. On va coller la fleur sur mon tag. Il va falloir que je nettoie ma planche. Donc là, ça, ça va. Alors là, ça saute comme ça. Donc mon tag, il va être comme ceci. Comme ceci. Non. Comme ceci, mon tag. Il va être comme ceci, un peu penché. Mais c'est fait exprès. Hein. Voilà. Hop. Je sais pas ce que j'ai fait tomber. Mais j'ai fait tomber quelque chose. Mon tag, il va être comme ceci. Ça, c'est pour... Ça y est. Hop. Voilà. Comme ceci. Voilà. Le tag comme ceci. Du coup, on va faire un petit nœud devant. Hop. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Attendez. Hop, vous voyez pas.
Voilà, je mets comme ça mon tag et je vais lui faire faire un petit nœud, une petite boucle. Je trouve ça trop mignon. Une petite boucle comme ça. Iloa ! Je pense qu'on va mettre, on va coller le tag déjà dessus, comme ça. Ouais. Hop. Ça on verra, on essaiera de le mettre mieux, de faire mieux. Hop, voilà, hop, hop. Voilà, petit nœud. Là, on va coller. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai dit qu'il fallait de la colle.